Jusqu'au bout. Merci. Et nous allons maintenant, avec François Bonnemain, examiner tout en détail le discours de M. Messmer, c'est-à-dire ce programme de gouvernement. Et je crois que M. Messmer a commencé par parler de changement. Oui, les premiers mots du Premier ministre sont d'abord pour répondre à une critique fréquemment faite ces derniers jours, notamment après la formation de la première partie du gouvernement, sur le changement. Le changement, dit-il, c'est la majorité qui l'a entrepris depuis 15 ans. Et d'ajouter que ce changement se fera également sentir dans les hommes, dans la deuxième partie du gouvernement, puisque les deux tiers des secrétaires d'État seront nouveaux. Les élections récentes ont clairement confirmé que la majorité des Français veut le maintien d'une constitution qui répond aux exigences de la France moderne. Les projets d'amendement, qui étaient souvent des projets de démantèlement, ont été écartés. Après 15 années où les principaux mécanismes ont eu l'occasion d'être mis en jeu, 2 élections présidentielles, 5 élections législatives, 2 dissolutions, 6 référendums, nos institutions ont acquis la solidité que l'épreuve des faits procure aux constructions juridiques souple et équilibré. Mais rien n'est immuable et des corrections peuvent être utiles pour tenir compte de l'expérience et de l'évolution.